Pour les vacances, certains profitent de leur temps libre pour se divertir et d'autres pour travailler. C'est le cas d'une dizaine de jeunes qui ont décidé pour cette période de mener à bien une mission. Celle-ci consiste à réhabiliter des bureaux d'école pour les expédier par la suite au Burkina Faso dans le cadre d'un projet humanitaire. Pendant 2 semaines, ces jeunes vont poncer, visser, dévisser, vernir et rénover les bureaux pour en faire don à un pays qui en a besoin et plus particulièrement à une petite ville nommée Tougan. L'envoi du matériel se fera avec le soutien d'une association de Florange appelée Iditarod, qui a déjà de l'expérience dans le domaine humanitaire. Reste à savoir maintenant si les 10 adolescents qui ont participé à cette action pourront partir au Burkina Faso pour accompagner les meubles, car ce projet est en cours d'élaboration.